La prévention des cambriolages. Statistiquement, à l'automne, les effractions à domicile reprennent. Et chaque année, à Souffelweyersheim, on en parle à cette époque. L'objectif est de montrer à chacun que l'on peut prévenir les cambriolages si on prend les bonnes mesures pour éviter ces cambriolages. Et en donneur de petites astuces, la brigade territoriale de contact de l'Eurométropole Strasbourg. On leur fait une petite piqûre de rappel, comme pour un vaccin, une petite piqûre de rappel sur les bonnes choses, les bonnes pratiques. Et là, en même temps, on va décortiquer un petit peu la méthode de travail, la manière d'opérer des délinquants. Les cambriolages sont en pleine recrudescence ces dernières années et sont devenus un phénomène de société. Premier conseil, n'hésitez pas à faire le 17. Le temps de réaction est rapide. Les gendarmes de l'Eurométropole sont dehors 24 heures sur 24. Installé, éclairage extérieur avec détecteur de présence. Ça marche très bien. Évitez de cacher les bijoux dans la pile de linge, les clés sous le paillasson ou dans la boîte, on oublie. Attention aussi aux réseaux sociaux, source d'information des malfrats. C'est très instructif, ça remet un peu les choses dans le contexte. C'est bien d'avoir eu quelques éclairages. Quelques exemples vécus. Il y a des notions qui sont bien de rappeler et des questions qu'on peut poser qui sont exploitables après pour la culture. Des réflexes, il en faut aussi après l'effraction. Surtout, ne toucher à rien, n'effacer aucune trace qui pourrait aider les enquêteurs. Et pour avoir plus de chances de retrouver les objets volés, il faut les répertorier. Contre les cambriolages, adoptez les bons réflexes et surtout, soyez acteurs de votre sécurité.